C'est sur une note stable que la Bourse de Paris entame la semaine, semaine dont les séances se feront au rythme d'un bon nombre de publications d'entreprises, dont aux États-Unis des poids lourds de la tech, mais aussi près de la moitié des valeurs du CAC, les investisseurs mis sur une certaine prudence face à la résurgence des contaminations au coronavirus en Chine et en Allemagne, sans compter qu'en Allemagne, le climat des affaires s'est dégradé en octobre. L'indice IFO a reculé d'1,2 points à 97,7%. Soit un plus bas de 6 mois. Sur le plan macro, jeudi se tiendra le conseil des gouverneurs de la BCE. Devraient être mis sur la table les sujets de l'inflation et du programme d'achat d'actifs d'urgence, et puis celui du prochain départ du président de la Bundesbank. Toujours jeudi, on attend la première estimation du PIB américain au troisième trimestre. L'idée d'une hausse des taux vers la fin 2022 se dessine. Jérôme Powell a déclaré vendredi que la Fed devrait bientôt lancer le processus d'une réduction de ses achats d'actifs et d'estimer que les tensions inflationnistes devraient perdurer plus longtemps que prévu. Il a toutefois indiqué que la Banque centrale ferait preuve de patience avant de relancer ses taux d'intérêt. On rappelle que la semaine dernière, sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans touchait un plus haut de 5 mois à un peu plus d'1,7%. Ce matin, en Asie, il se traitait autour d'1,6%. Ce soir, Facebook sera la première des GAFAM à publier ses comptes du troisième trimestre. Alphabet, Microsoft, Amazon et Apple suivront dans les prochains jours. Une attention toute particulière sera faite à Facebook et Alphabet, et ce après les mésaventures du réseau social Snap, dont la performance trimestrielle s'est trouvée impactée par des modifications des règles de confidentialité d'Apple et la baisse des dépenses de publicité des entreprises du fait des perturbations dans les chaînes de production. Plus près de chez nous, Michelin dévoilera après la clôture son chiffre d'affaires. Au cours de la semaine, 16 autres entreprises du CAC se plieront à l'exercice. Et puis un focus sur les marchés asiatiques freinés ce matin par le ralentissement de la croissance chinoise. À Pékin, un serpent de mer refait surface, celui du projet de taxe foncière, jamais mis en place mais présenté depuis 20 ans comme une solution aux problèmes rencontrés par le secteur immobilier. Aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène sous l'impulsion de Xi Jinping. Ce projet tend à réduire les inégalités et limiter les excès de la pierre. Il devrait, pour l'heure, être mis en place dans plusieurs villes. Dans le même temps, la Banque centrale a tenté de rassurer en injectant un peu plus de 31 milliards de dollars dans le système financier. Et à noter que Pékin a décidé d'instaurer de nouvelles restrictions sur les voyages en raison de la recrudescence des infections au coronavirus dans le pays.